Les gars, apprenez à donner l'argent à vos goûts. Vous comprenez? Apprenez à donner. Inimaginable, voici de quoi est morte la célèbre influenceuse Madame Cooper. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Décès de Stéphanie Massot alias Madame Coopé. Stéphanie Massot alias Madame Coopé est décédée. La web comédienne camerounaise a rendu son dernier souffle samedi le 04 mars 2023 à l'hôpital général de Douala, dans la capitale économique du pays. La nuit dernière n'a pas été du tout bonne pour tous les acteurs du showbiz, ainsi que les fanatiques de l'illustre disparu, inutile de dire combien la famille biologique est touchée par cette mort. Madame Coopé laisse derrière elle un jeune garçon, qui commençait à peine à apprécier la vie avec sa maman. Alors que les premières indiscrétions avaient fait état d'un empoisonnement, comme la cause de la mort de Stéphanie, il n'en serait rien finalement. C'est toute une autre chose qui a tué l'influenceuse célèbre au Cameroun et en Afrique. Le web Mappeople et de divertissement Lord Dev Media informe que Madame Coopé est morte d'un cancer. La source écrit dans une publication ce qui suit, Peuple, Madame Coopé est décédée. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. En effet, la jeune TikTokeuse est décédée ce samedi soir à l'hôpital général de Douala des suites d'un cancer du cerveau, nous apprend-il. Celle qui est décrite comme une habituée de Snapchat et TikTok, était absente toute cette semaine sur ses réseaux. L'équipe de Laura Dev Media s'est rendue à son domicile familial au quartier Bali, où de nombreux fans ont fait le déplacement pour un recueillement. Nos sincères condoléances à son fils, son époux, sa maman et à toute sa famille. Le monde du showbiz pleure à chaudes larmes. Madame Coopé est partie très tôt, à un moment où sa carrière prenait beaucoup plus d'envergure. La célèbre TikTokeuse camerounaise Madame Coopé a tiré sa révérence dans la nuit du samedi 4 mars 2023 à l'hôpital général de Douala. Depuis quelques heures, les rumeurs de sa mort ont fait la une des réseaux sociaux. Sa mort a été confirmée par l'acteur camerounais Pifo. Consternation, une famille en pleurs et inconsolable, c'est confirmé et c'est vérifié, nous sommes actuellement aux urgences de l'hôpital général de Douala, c'est triste, mais c'est vrai, on n'aura plus jamais droit au fou rire de Stéphanie. Un SOS aux hommes en tenue pour calmer la foule ici, a écrit l'acteur sur sa page Facebook. Madame Coopé était une TikTokeuse très active et aimée des internautes. Nos sincères condoléances à la famille éplorée.